Bon, tout le monde, nous avons la troisième vidéo dans la série qui a montré qui j'en pour faire l'argent sur Internet et qui ont un website. Dans la vidéo, ça nous va parler de qui ça qui a un domaine name, qui j'en li fonctionne et qui j'en capable acheter un domaine. L'important pour être branché, nous allons tourner tout de suite. Une autre fois encore bon retour, même si vous faites venir sur channel ça, n'a pas vite abonner sur la channel là et ensuite activer le bouton notification. Sur channel ça, nous postons des vidéos qui permettent d'apprendre technologie, tant que faire l'argent sur Facebook, faire l'argent sur YouTube, à faire l'argent avec un site web. Eh bien, dans la vidéo ça, comme nous t'ai dit déjà, nous allons parler de qui ça qui est un domaine name. Avant ça, moi j'ai deux bagages pour me faire. Premier bagage là, c'est merci parce que actuellement moi arrivé dans 3000 subscribers. Merci parce que vous même vous choisi faire autre là avec moi. Et deuxième bagage, moi voulais annoncer nous que moi j'ai un challenge et sur Twitter et vous capable de gagner 1000 abonnés sans que vous parlez. C'est une liste que moi fais sur Twitter. Côté que moi mettez moun dans liste Twitter là, moun qui veut ou après que moi sur Twitter, gens capable pour username moi là et ensuite m'a mettre dans liste là, ou bien 1000 moun cap sur vous et pas oublier faut que suivre moun ça au bac en façon pour ne pas mettre au dehors dans challenge là. On après tourner sur domaine là. C'est qui ça qui un domaine name? Une adresse internet ou bien un nom de domaine, c'est presque même à qui une adresse postale. C'est grâce avec adresse là ou capable écrire un moun, ou capable envoyer une lettre bali. Et bien c'est même genre tout. Un nom de domaine ou bien une adresse internet, c'est même genre. C'est grâce à lui-même qu'on est capable de gagner accès ensemble avec le site web. On prend par exemple, pour m'aller sur Archive Musique, moi écrit Archive Musique.net. Eh bien, ça, c'est nos domaines Archive Musique. C'est lui qui a bon accès pour m'aller sur Archive Musique. Mais, il y a des choses qui sont plus importantes pour qu'on ait concernant un domaine. Ça veut dire, je ne peux pas dire qu'aucun monde vient sur le site moyen sans un nom de domaine. Et le site là, tout, il n'y a pas fait sans un nom de domaine. Le site là, qui a fait sans un nom de domaine, laisse ça avoir une adresse IP ou bien adresse IP en anglais. Nous allons parler d'adresse IP. C'est qui, Jean, moi, capable de faire by site moyen n'importe nom qui gagne. Nous, on a un site qui est Archive Musique, un site qui est les nouvelles listes. Par exemple, on a pensé à un business, on a le type à type. Et moi créer un website et nous un domaine dans le type à type à l'heure, on tape le domaine là sous bas navigateur noir. Par exemple, si l'entrée tipa.com et puis l'aller sur le site noir en direct. Eh bien, nous pas l'expliquer qui j'en ça fait. Nous gain pour nous arriver dans serveur pour capable comprendre ça puis bien. Mais qu'on y a une bonne explication très simple en façon pour les nous arriver dans serveur pour nous pas parler de qui ça qui ont IP encore. Chaque ordinateur qui peut aller sur internet là gain un IP pour capable communiquer entre eux. IP a qui c'est IP, li veut dire internet protocole. An zi numéro téléphone moi son IP. Pour moi reler un monde là, moi c'est poser compte numéro téléphone ni en façon c'est deux numéros téléphone ça qui connecté ensemble. Eh bien c'est même genre ordinateur pas dans li gain IP, ordinateur mon dans li gain IP et puis capable communiquer entre eux. Mais IPA, ils sont série des numéros. Nous disons ça sous temps des mots, ça première fois, pas besoin de problème. Dans la prochaine vidéo, nous allons parler de qui ça qui est un serveur. Écoutez, qu'on a détaillé serveur à pi bien. Et serveur ou acheter, ou pour mettre site web la chita sous l'IA, vous avez lui ensemble avec un IP. Les capables ont un IP partagé ou bien un IP privé. Là, nous arrivons dans le serveur encore, nous parlons de bonnes différences, bien, avantages, bien, l'organe IP partagé avec l'organe IP privé. Eh bien, serveur, ça, c'est un computer que vous achetez. Vous mettez site là sous l'IA, mais computer ça, il est à distance. Il est connecté ensemble avec l'autre computer grâce à avec ça qui est l'internet protocole là qui c'est IPA. OK, IPA son série de numéros, j'ai regardé là là qui ou pas ka kembe ou nan tête. Par exemple, si m'tap créé un site web côté que moi acheter un serveur et puis yo ban moi lancement avec un IP partagé et puis pour m'a partager IP à ba moun pour y aller sur site web moi, et bien, gen pile moun pa tap ka kembe ou nan tête. Mais qui ça revienne faire? Yo vinn ensemble avec ça qui est un domaine qui capable permettre moun nan ka mémoriser nom bien rapide s'il t'a besoin al souli. Et bien, c'est ça qui fait li vinn plus facile pour ou sou gen un site web ou capable aller tel nom domaine et puis les tout connecter ensemble avec serveur là et puis afficher contenu qui est sous site là pour en façon pour capable naviguer sous site là. Dans prochaine vidéo on gagne pour le faire, on va le montrer au qui genre fonctionnement ça au fait. Par exemple, le rentrer IP adresse là et qui bol voyo et qui genre information au fait afficher dans écran laptop ou bien téléphone ou. Ensuite, nous va le montrer au qui genre capable acheter un nom domaine. Dans prochaine vidéo, les dans serveur là pour qui genre capable associer un nom domaine ensemble avec un serveur. Mais je dis à nous va le montrer acheter un domaine. Qui ça m'a besoin pour m'acheter un nom de domaine? Premier bagage, on a besoin 4 débit. N'importe 4 débit capable faire achat international, c'est pas 4 débit seulement c'est Haïti qui acheter parce que faut qu'on acheter sur internet. Dans 4 débit 4 BNC by qui en good là, oui, il capable faire. Ensuite BUH by en dollars, il capable faire. Unibank et Soge Bank, mais Soge Card qui capable faire et ti 4 en good Soge Easy pas acheter dans des domaines. Fais attention ensemble avec ça. Ensuite, qui côté moi capable joindre domaine acheter? Il y a plusieurs côtés capable joindre domaine acheter. Il y a Nameship, il y a GoDaddy, il y a Cloudflare, il y a Wix
il y a un domaine.com et la trier. Eh bien, moi-même, yon seul côté, moi toujours acheter tout domaine moi yo net. Et moi j'ai expérience ensemble avec côté ça, moi pour le voir non, parce que c'est vraiment facile avec configurer avec toute bagage. C'est ça qui fait tout ça, nous pour le faire, n'a fait sous Nameship. Pour acheter domaine sous Nameship, toujours rappeler ça. Moi-même, moi c'est un agent affilié Nameship. Si que vous achetez domaine sous Nameship, il y a un lien dans la description vidéo. Vous regardez là, vous cliquez sous lui, vous pouvez mettre cliquez là pour acheter un domaine, ou bien cliquez là pour acheter un serveur. Lorsque cliquez sous lui, ou acheter un serveur sous Nameship, ou bien acheter un domaine sous Nameship, ou bien créer un compte sous Nameship pour acheter, moi recevoir 20% dans le code achat. Pas aller sous Nameship direct. Laisse ça, ou pas faire un cadeau rien. Mais si vous cliquez sous le lien pas maintenant, vous allez acheter sous Nameship, vous achetez des bagages là, même pour te qu'on achète là. Sauf que, vous avez gagné 20% là-dedans. Nous rappelons, nous avons parlé de plusieurs façons capables de faire l'argent sur YouTube, même si Chanel ou pas monétisé. Et bien ça, c'est un ladder. C'est comme ça, moi-même, moi fais un code, les moins affiliés ensemble avec une série d'entreprises. On allez, nous parlons sous Nameship. Pendant nos Nameship, nous parlons de qui sont capables de chercher un domaine et nous parlons de qui sont capables de vérifier est-ce que le domaine est disponible ou pas et ensuite qui sont capables d'acheter un domaine. Pour acheter un domaine sur Nameship, c'est simple. Par exemple, moi, mon business, moi, te dis non, qui est Tipa Tipa. Moi, je vais regarder est-ce que Tipa Tipa existe déjà ou bien il y a l'autre monde qui n'a pas acheté un domaine déjà. Si le domaine n'a acheté déjà, ou pas acheté. Ou pas payer plus cher que le prix que tu as supposé payer. En moyenne, il y a un domaine vend $1.50. Le domaine qui termine par .com, il commence à vendre de $9 jusqu'à $11. Si vous renouvelez, vous renouvelez à $12. On a les me dit que si ma fond business qui est Tipa Tipa, si que ou pas vérifier est-ce que domaine est disponible et puis ou geta faire promotion pour entreprise là, et bien l'autre monde qui a geta acheté domaine là, laisse ça dans grosse difficulté pour réacheter domaine là encore et ou payer pour domaine là prix le pas vous. Avant moi dit que mon pas créer entreprise, d'abord moi fin choisir une entreprise là, si me connais entreprise là son business en ligne li pour aller, faut moi al vérifier est-ce que business là non domaine là pas acheté déjà. Moi dit que moi gagne entreprise qui est Tipa Tipa, et bien moi dit moi pas chercher est-ce qu'elle est disponible. Moi écrit Tipa Tipa et puis moi faire recherche là. Napton, eh bien OK, yo dit que tipatipa.com c'est un domaine qui vraiment facile à mémoriser, c'est ça qui fait yo vendre 4,945 $. La renouveler à $10. Yo domaine lo acheter le pour 1 an. Si vous achetez domaine dans $10 ou bien $11, faut qu'on rappelle que après un an encore ou après payer $10 ou bien $11 encore. Faut qu'on veille prix ou acheter domaine avec prix la renouveler parce que il y a un piège dans ça. Ou ka fin achete un domaine pour $1 et les la renouveler, les renouveler $40. En par exemple avec un domaine qui renouvelé bien cher. OK. Dans domaine ça tipatipa.store, ouais, il vend $1.88 et les la renouveler, il renouveler avec $48.88. Ça veut dire son piège lié. Plus que tipatipa.store, il y a tant qu'on est question domaine qui sont souvent vraiment populaire, il tout défini qui genre d'entreprise domaine là est. Yo mettez le vendre à $1.88 ou même pour courir acheter, yo tout monter prix à pour. Faut qu'on fait très attention en tourner en l'air encore. Ou après domaine ça, yo dit que plus que son domaine qui vraiment facile à mémoriser, il faut payer cher. Mais gien l'autre bagay de ka fè la dani pou mwen chanje l pou mwen pa paye li 4000 combien $. Ki sa m ka fè? Mwen ka mete seulement Haiti devan Tipa Tipa. Pou fason pou m fè domaine nan pi long pou l ka kote mwen skop. Ouè la, tipatipahaiti.com li kote m kounye a $8.28. An fon ti kampe la. Gen yon danje an sa ki le ki jan ap chwazi yon nom domaine. L ap chwazi yon nom domaine, fòk ou pran son bagay ki pi enpòt don domaine l ap chwazi, fòk li fasil a memorize. Ou lè yon moun site l entreprise la, menm jan site l rapide la, fòk li ka ekri l rapide konsa tou pou la les. Ou apre tout domaine mwen net, yo fasil a memorize. An pou ekzanp, apren gratis, Archive Music. Domaine yo vreman simple, par ekzanp, debi ou nan panse avèl, li kapap ekri l bien fasil pou la les sou li. E bien se menm jan tou, menm sou ap chwazi yon domaine, pa chwazi l menm jan ou jous ap chwazi l te kou email. Nou sot wè ki jan moun sot chèche yon nom domaine, moun wè nom domaine nan, mi di bon ba yon problème mwen pren, mwen di map ajoute li sou 4 mwen. Kounya, li di ke sou ap pren positif SSL, web hosting, eh bien, support ko gen server. Ou apan ek selman klike la pou gen server. Pa bezwen ko fè rien, nan prochen video, nan fè sa. Mwen pa vle bouyo et mwen pa vle fè video a trop long tout ki fè mwen pa tout parler de server nan video sa. Si ke se domaine nan selman ap achete puisque se sou domaine nan pale jodi a, nan achete domaine nan pou kont li. Nan di, ou ap wè 4 la. 4 DD bim nan ap konekte ansanm avèk site web sa. En fason, chak anè la renouvle otomatik. Si mwen achete jodi a la, eh bien la renouvle nan menm dat jodi a la. Mwen kapab fè renouvle otomatik. En fason pou m pa pèdi domen nan. Ou bien, ou kapab peye jiska 5 anè. Ou kapab peye jiska avèk kantite ton vle. Par ekzanp, m di bon mwen ap peye pou 10 ans. Ou peye pou 10 ans, en fason ou getan konnen les pou pose pendant 10 ans, ou pa gen aucun problèm. Pendant 10 ans, li vini ou $107. Ensuite, ou di ou ap konfime ordè a. Pour confirmer l'ordre, il va demander de vous connecter.
Si je fais payer maintenant, je prends 107 dollars sur 4 mois et puis tout confirmé order là. Dans la vidéo, côté n'a parlé des serveurs, n'a pas acheté un domaine. Mais là, pourquoi pas acheter un domaine ensemble avec vous? Ça veut dire, moi pas qu'à finir acheter un domaine là et les moi parler des serveurs pour montrer qui sont capables de connecter domaine ensemble avec serveur là pour mal racheter un domaine encore. C'est ça que fait moi camper là, moi pas payer. Et bien ou même je dis à vous connaît qui ça qui un domaine qui est capable de un domaine acheter, nous partager en pile je dis à mais nous pour finir nous gain pile bagarre pour nous dire sur domaine du jour, mais c'est là n'a fait vidéo qui avec serveur. N'a croiser dans prochaine vidéo, pas oublier subscribe. Bye bye, à la prochaine.